Je vous connais, vous. Vous êtes... Oui, Jean-Pierre Coily. Oui. Mais moi aussi, je vous reconnais. Vous êtes pas dans les commerciaux de la baie? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais je suis acheteur ici, moi. C'est moi aussi. Oui, mais moi, j'achète ici. Moi aussi. Moi, j'achète pour la baie. Toi, t'achètes à la baie. Ah. Ah. Tout ce que tu vois dans le magasin, ça se trouve pas ici par magie. Il y a des acheteurs qui choisissent que la baie va vendre. Moi, j'achète la vaisselle. Tu dois pas travailler bien gros, hein? Ça m'a l'air que tu connais pas grand-chose, toi. Suis-moi. Oui, 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 je sais. Lui, il achète les gilets de laine. Ah, pour être beau, ils sont beaux. Mais pour faire un petit effort, pourriez pas baisser le prix un peu? Elle, c'est notre spécialiste de mode pour jeunes filles. Non, non, on peut pas vendre de foulards séparément. Au prix qu'est la robe, on le donne. Lui, ça fait 3 semaines qu'essaie de faire baisser les prix de 20 000 bicyclettes 10 vitesses. Bon, c'est ma dernière proposition. Je vous les achète à ce prix-là, mais vous incluez les accessoires. Vous faites ça tout le temps pour tout ce que vous achetez? Ça, c'est rien. Tu devrais voir ce qui se passe quand on prépare une grosse vente. Ouais. Votre manière d'acheter, c'est pas n'importe quoi. Demandez n'importe quoi. Ou presque.